Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérit TV et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue à la revue des titres de votre journal en sa parution de ce mercredi 17 juillet 2024. Supposée base militaire française au Bénin, et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves? Le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso, nous informe Le Quotidien. Face aux forces vives de la nation à Ouagadougou jeudi 11 juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, apporte de graves accusations à l'encontre du Bénin. Des accusations selon lesquelles le Bénin hébergerait deux bases militaires françaises sur son territoire. Immatriculation au Bénin. Possibilité d'obtenir des plaques de moto à l'achat. Celles non retirées, bientôt détruites, alerte le journal. Le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, était face à la presse ce lundi 16 juillet 2024. Richard Dada a annoncé aux professionnels des médias le démarrage de l'opération Zéro moto non immatriculée en République du Bénin. Entouré des cadres techniques et des concessionnaires sélectionnés pour la phase pilote de cette réforme, le DG ANAT a par la même occasion annoncé la destruction des plaques d'immatriculation non retirées. Autre titre à la une de votre journal. Appui au sinistré des inondations de 2022 au Bénin, la CEDEAO et le Bénin soutiennent 2500 ménages, nous informe votre quotidien. Les détails de ces titres sont à lire à la page 3 du journal. Deuxième édition de la semaine L'Afrique des solutions. Des personnalités de haut rang confirment leur présence à la semaine L'Afrique des solutions. La deuxième édition de la semaine L'Afrique des solutions aura lieu en France et au Maroc en septembre et octobre 2024. À cet effet, plusieurs personnalités de toute obédience ont confirmé leur présence à cette grande rencontre de l'innovation et de solutions. On poursuit avec la revue des titres de votre quotidien Matin Libre. Coopération au développement. Titus Oladayo, Osudina, nouveau représentant résident du PNUD au Bénin. Justice à présent, affaire évasion d'un détenu de la prison de Natitingou. Les deux policiers fixés ce jour nous renseignent Le Quotidien. Le délibéré de ce dossier, évasion d'un détenu de la prison civile de Natitingou, sera connue ce jour, mercredi 17 juillet 2024. Les deux policiers mis en cause dans cette affaire seront fixés sur les sorts. Santé pour boucler la revue des titres de votre quotidien ce mercredi matin. Anémie en Afrique. 60% des enfants touchés. Une réunion virtuelle est protégée pour le 19 juillet 2024 par l'Alliance d'action contre l'anémie pour évoquer des données probantes sur l'anémie, notamment des efforts de réduction de l'anémie en Afrique. Amis internautes et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre journal pour les comptes de ce mercredi 17 juillet 2024. Merci de nous avoir suivis. À demain.